Officiel de Lionel Chap. Oui, un influenceur. Alors la famille, salut à tous et bienvenue encore sur Jésus News TV une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah oui, Jésus News est de retour et que Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste connectés jusqu'à la fin. Et si aujourd'hui là, c'est votre première fois de passer sur la rue de Jésus News TV, ah oui, déposez vos Ghana must go et vous êtes la bienvenue de la famille Jésus News TV. Nous allons commencer avec notre petit Congo d'aujourd'hui, oui. Ce jeune garçon appelé Lionel Chap qui est un influenceur sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui, pour être influenceur, la maman. Si tu n'as pas de l'argent, tu peux aller mettre ta main où il ne faut pas. En tout cas, la version officielle de Lionel Chap. Je vais juste aller droit au but pour ne pas perdre beaucoup de temps, mais l'histoire vraiment est vraiment, vraiment longue. Oui, restez juste là, prenez un verre d'eau ou bien un verre de jus, parce que je suis ici pour vous décortiquer comme il le faut. Bon, ce jeune garçon appelé Lionel Chap, a.k.a. The Lord. Hein? Vous connaissez vraiment, je ne sais pas, il y a certains noms que les gens mettent sur les noms vraiment, même si tu es a.k.a. là, il y a certains noms vraiment là que je ne comprends pas. Bon, un jeune garçon comme ça de 23 ans, camerounais, qui a fréquenté Abafoussam, et puis moi je vois, il marche toujours avec plus des anglophones et tout et qu'on sort, et il veut être ce qui, vraiment, il faut souvent attendre le moment de Dieu, je vous dis la vérité. Vous les jeunes, si là, 23 ans, ce n'est même pas qu'il a une responsabilité. Il n'a rien, il n'a même pas de femme pour dire, hey, ma femme me met la pression. Il n'a même pas d'enfant pour dire que, oh, ma fille va partir à l'école demain, comment? La pension, je n'ai pas payé. Il n'a pas de responsabilité. Un garçon comme celui-ci veut les milliards pour faire quoi avec? Les millions, les billions pour faire quoi avec? Les grosses voitures, tu peux acheter une petite voiture. Tu veux les voitures pour faire quoi avec à ton âge? Maman, soyons réels là. Soyons vraiment réels. Bon, voilà l'histoire de ce Lionel Chap. Donc, il marchait avec ses amis et puis vous connaissez les gens de gars qui entrent dans les boîtes de nuit à Talakou de ça, le buzz de ça, le faraotage de ça. Et puis Lionel se regarde, il dit merde. Mes amis faraotent comme ça, là, moi, je suis là, même mille colos, je n'ai même pas pour faraoter, je vais faire comment? Donc, c'est comme ça qu'il approche ses amis, donc. Il dit, mais les gars, c'est comment? Mettez-moi en ligne, c'est comment? Je suis votre pro, je suis votre, c'est comme ça. Un temps de moment, il dit, mais, petit chat, le courage, hein? Petit chat, le courage de nous affronter, nous dit, c'est comme ça, il dit, mais, est-ce que toi, tu dois pouvoir faire ce que nous on a fait? Il dit, ah, laissez-moi ça, je veux de l'argent et tout et qu'on sort. Bon. C'est comme ça que, on lui dit, il y a une condition que je dois remplir. Et je vous assure, il y a certaines personnes qui sont sorties aussi, dit, ce garçon, les contacter dans les inbox, les garçons, oh, qu'est-ce qu'ils peuvent donner le derrière et tout et qu'on sort. Mais je vais dire ça à la fin de cette vidéo. Et aussi, c'était une personne qui se plaignait que depuis que Lionel Chap a de l'argent, il prend les femmes des gens, il prend les copines des gens. Et pour les prendre, les femmes et les copines des gens, moi je vais dire que c'est les copines là qui veulent partir. Parce qu'il y a certaines filles que quand ils voient de l'argent, et qui voit que les gars n'ont pas de l'argent, maman, il t'abandonne jusqu'à toi-même, tu te regardes, tu dis, merde, j'ai fait quoi à cette fille? C'est comme ça que Lionel Chap, alors, lui donne le porte-monnaie majeur, dit, ah, l'argent que tu dois avoir dedans, l'argent qui va apparaître dans ce porte-monnaie, tu dois utiliser l'argent là le lendemain, jusqu'à même 5 francs ne doit pas rester. Il dit, ah, ça c'est une petite histoire, non, ça, nous sommes derrière dedans, nous sommes derrière les rodés, maman, C'est comme ça qu'alors, Lionel prend les 50 000, entre dans un shop right là, dans un supermarché, quoi. Et comme je fais souvent ces choses et que c'est pas toutes les têtes des gens qu'on utilise, il y a des têtes des gens qui sont vraiment, 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 qu'on dit que caillou là, non. C'est comme ça qu'il entre alors dans ce supermarché, il dit, oh, ma, je veux ça, tu vois, il essaie les choses, il prend, il a calculé ça, donné 50 000 francs net. Il arrive alors dans mon comptoir, c'est comme ça qu'il retire l'argent, il paye. Un temps de mouvement, Lionel porte le plastique. Un temps de mouvement, il arrive à 2 pas, 3 pas, il dépose. Merde. La femme l'a dit, merde. Mon petit, tu as oublié ton sac, on vient reprendre ton sac là. Lionel dit que, oh, tantine, est-ce qu'on ne peut pas t'aider? Je te fais cadeau. Maman, tantine dit que, dans ce pays, que la tantine dit, maman, dans ce pays, le Cameroun,
ou bien c'est un autre pays, ou bien on a changé le nom Cameroun là pourquoi. Quelqu'un sort un grand matin, il vient me donner 50 000, qui me dit que c'est un petit cadeau, maman. Même mon gars que je sois avec ne parvient pas à me donner 50 000 au grand matin comme ça. C'est comme ça. Alors il dit, même si tu veux, tu réfléchis jusqu'à Hollande. Mais c'est comme ça que Lionel se dit à lui-même que réfléchis là-bas. J'ai dit à mes amis que je pouvais faire ça, que je suis un don dans ça et rien ne changera. Ma condition là, non, je veux que remplisse ça aujourd'hui. Il s'est dit, alors qu'il a gagné, maman, un temps de mouvement, il fait 10 pas, il est dehors. Hey, tante, il dit seulement, sécurité, oh, vous êtes où? Venez, oh, venez me voir la magie. C'est comme ça que sécurité arrive, maman. On dit, mais petit, c'est quoi? Là, qu'est-ce qui se passe là? Tante dit, maman, dites à ce petit garçon de porter ce qu'il a acheté. Moi, je ne veux pas. Il me dit, je vais prendre, maman. Sécurité demande au petit garçon Lionel que merde. Tu donnes le cadeau à quelqu'un, la personne ne veut pas, mais prends ton cadeau, tu pars avec, ça ne coûte rien. Lionel dit que même si il fait 1000 ans ici, là, il ne pourra pas prendre ce cadeau pour rentrer. Il a déjà donné le cadeau et c'est comme ça. Sécurité dit que maman, tu dois que prendre ça pour sortir. Un temps de mouvement, maman, et Lionel dit que je vais dribbler les gars, c'est pour partir. Ah, merde! Sans savoir que les gifles que vous voulez voir, merde. C'est comme ça qu'il atterrit. Alors d'ailleurs, un temps de mouvement dit, merde, Lionel reçoit bien. Il dit que, comme mes gifles là, non, je vais seulement finir ma condition. Lionel se déshabille alors donc pour finir la troisième étape de cette condition. Bon, ce qui est là-dedans, c'est que beaucoup de gens disent, oh, c'est les gens, comment le gifler. Même pas, la vidéo que j'ai vue, les gars, oui, on l'a vraiment giflé, et puis c'est déshabillé, tout le consort. Pour moi, Josie News TV, laissez-moi vos commentaires, la famille. Pour moi, je me dis qu'il finissait la troisième étape de ces conditions qu'on lui a données. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour quelqu'un de se déshabiller et de dire que vraiment, il jette la honte, il montre ce que Dieu l'avait donné, dehors, cadeau. Et il sait bien qu'il y a les gens qui prennent les téléphones et tout et qu'on sort pour regarder. On dit que c'est la folie. Et après ça, il s'habille, il rentre chez lui. Et vous êtes là, vous dites que, wow, on l'a déjà, oh, c'est la folie. Wow, je vous assure, il s'est levé, il s'est habillé correctement et bien et il est rentré chez lui. Je vous dis, il a fini sa condition. Après 3 mois, il y a les conditions qu'on voit comme ça. Après 2 ou 3 mois, vous allez voir encore Lionel, vous allez dire, merde, c'est ce petit. Et tout ça, pourquoi? Tout ça pour avoir le nom. Tout ça pour avoir, peut-être tu entres en boîte, on commence à prononcer ton nom du matin jusqu'au soir. Mais ça sert à quoi? Il y a des conditions et des conditions. J'ai compris, il y a certaines personnes qui disaient, mais pas de conditions, je prends le truc de ma copine et quand on finit de tout, je prends son liquide et je mets dans mon porte-monnaie et après quelques jours, ça remplit de l'argent. L'autre disait, je prends un gars, je lui tout ma par derrière et après quelques jours, je mets ça dans mon porte-monnaie, ça donne de l'argent. Tout ça pourquoi? Tout est vanité, je vous assure. Tout ça là pourquoi vraiment? Influenceur, influenceur, c'est de l'argent. Tu peux pas te lever un grand matin que tu veux être influenceur. Nos mamans et nos parents là, s'il vous plaît, éduquez bien vos enfants. Éduquez vos enfants au chemin de Dieu. Je vous assure. Parce que si moi, quand je vois cette vidéo, je me dis, ah, un garçon de 23 ans, il veut faire quoi avec les millions tas? Heineken, tu as 23 ans, tu veux déjà gâter ton ventre, ta poitrine avec le whisky et tout, et qu'on soit tous les jours, parce que tu marches avec des amis qui ont de l'argent, toi-même tu veux, merde, le monde s'y va où? Puis les vidéos là, je dis merde, un enfant de 23 ans, il n'a pas de responsabilité, il n'a rien. Mais je vois les vidéos, il appelle les femmes, il prend les femmes déjà, il appelle vidéo, les filles sont là, il montre le derrière, il balance le derrière, toujours pourquoi? Pour un petit argent, les miettes. Pourquoi? Quelque chose, un argent qu'on va te donner, tu dois même rien faire avec. Les jeunes là, les jeunes de maintenant, il y a certains jeunes, pas de partout, parce qu'il y a des gens qui s'ouvrent vraiment pour avoir de l'argent. Ils vendent les fruits au Cameroun là-bas, tu vois certaines personnes, ils sont en route, ils font les business clairs là. Certaines personnes font le taxi, certaines personnes, et c'est le travail. Et quand tu manges ton argent, tu vois que non, tu gardes même l'autre, tu fais quelque chose de bien.
Il y a l'argent comme ça, les porte-monnaies magiques et tout et consorts. Tu prends même de l'argent, tu en manques quoi faire. Vraiment, tu peux acheter quelque chose de 50 000, tu laisses dans un supermarché. C'est comme ça que tu dois construire une maison. Et puis quand tu ne remplis pas la condition, la maison va commencer à se casser. Même tes enfants ne vont même pas vivre dans la maison. Et tout ça, là, l'argent, là, alors, si tu cherchais pour qui? Tu cherchais pour qui? Les parents, là, s'il vous plaît, éduquez bien vos enfants. Éduquez bien vos enfants. Malgré qu'il y a les enfants, quand tu éduques, ils peuvent te tomber dans les mauvais groupes et tout et qu'on sort. Mais regardez aussi les amis que vos enfants marchent avec. Un enfant va rentrer à la maison avec une voiture, une Mercedes. Toi, là, le parent, tu n'as même pas demandé, ah, mon fils, va retourner la voiture là où tu as pris. Il y a des parents que quand tu rentres avec, ils sont fiers. Oh. Ils disent, hey, mon fils a acheté la mec, oh. Mon fils a acheté la jet privée, oh. Mon fils a acheté la réchauffe, oh. Mon fils a acheté la benzo, oh. Mon fils, sans demander, yeah, mon fils, l'argent, ça vient d'où? Ça vient d'où? Hey! Il va faire comme ça, comme Hoche-Pop, alors. Il va faire comme ça. Les gens qui travaillent, même l'argent du vont dire, hey, qui est Seigneur, on a vraiment fait quoi? Il y a certaines personnes qui vont aller prendre la corde même pour les donner, pour prendre la vie à cause des gens comme ça. En tout cas, à nous revoir à la prochaine vidéo.